Donc on a un miroir, cet objet avec a priori une forme carrée, des angles, sauf que son reflet, lui, est totalement différent. C'est pas fou ça ? Yo, ici Nozman. Comment fonctionne une illusion d'optique? Bon, c'est pas si compliqué que ça en fait. Surtout, il y en a des très intéressantes qu'on a moins l'habitude de voir. Je pense que ça va vous plaire vu comment vous réagissez face aux disques de l'air, etc. J'ai l'impression que vous aimez les trucs étonnants. J'avais entendu parler d'un endroit au Japon avec pas mal d'illusions, le musée Miraikan. Bon, j'en ai profité pour aller y faire un tour pendant mon voyage. Hein. Et une fois de plus, vous avez bien plus d'infos sur un article en complément, un lien dans la description sur le blog de voyage Odigo Travel. Bon, du coup, une illusion d'optique, c'est simplement une manière de tromper l'œil, ou plutôt l'échange qu'il y a entre les yeux et le cerveau, et de jouer avec les mécanismes naturels de la vision. Par exemple, le fameux échiquier d'Adelson, où l'on croit que certaines dalles sont d'une nuance de gris totalement différente, alors que non, hein, ça joue en fait sur la tendance qu'a notre système visuel à compenser les variations de luminosité. Ok, dans ce cas donc, c'est notre perception elle-même qui est erronée. Je pense que ce sont les illusions les plus connues, ou en tout cas celles auxquelles on pense lorsqu'on parle d'illusions d'optique. En revanche, il existe des illusions visuelles où là pour le coup, le changement de position peut permettre d'y voir un petit peu plus clair, ou en tout cas de voir les choses différemment. Et vous allez voir que niveau retournement de cerveau, on est pas mal. Hein. Donc je vais simplement vous prendre le cerveau, tac, le retourner comme ça pendant quelques minutes, vous allez voir, ça va pas faire de mal. Excellent. Il s'agit en fait ici de structures imprimées en 3D. Mais lorsque l'on voit ces mêmes objets dans un miroir lui-même incliné d'une certaine façon, eh bien le reflet de ces structures possède une forme totalement différente, créant l'illusion d'un changement de forme soudain. Ici, on peut changer son point de vue à tout moment en regardant le miroir ou l'objet réel et ainsi tromper son cerveau encore plus. Alors pourquoi les objets semblent changer de forme, hein? Ça rend fou quand même. Pour vraiment visualiser le phénomène, je vous propose en imprimant en 3D, hein, histoire qu'on les voit bien, qu'on ait vraiment les objets en main. Ok, fin de l'impression, paf, voilà le premier. Ok, bon, on va faire un premier test donc avec ce modèle imprimé en 3D, donc je le place ici devant un miroir. Il apparaît a priori dans un premier temps de manière cylindrique, et si je baisse ce miroir, voilà, ça marche, il apparaît carré. C'est perturbant, ça marche très très bien du premier coup, c'est cool, ça me plaît. Ok, bon, la clé de cette illusion, c'est le dessus en fait. Comme on peut le voir, le dessus n'est pas une surface plane comme si elle avait été coupée avec un katana, pour rester dans le thème, mais elle est courbée, hein, comme on peut le voir, et ça d'une manière bien spécifique. Autre point important, la forme des cylindres. Hein. Vu du dessus, il ne s'agit pas de cercle ni de carré, on est finalement entre les deux quoi. Deux des angles sont légèrement courbés et les droites légèrement bombées, ce qui donne une forme entre le carré et le cercle. Bon, comment c'est foutu en gros? Regardez, ici j'ai un rouleau de PQ, et si je viens l'aplatir et placer trois points, un sur chaque bord et le dernier point au milieu, et que je viens ensuite tracer une espèce de vague qui suit ces trois points, comme ceci, hein, c'est pas mal, et que pour terminer je viens découper cette vague, je me retrouve donc avec le haut de ce rouleau courbé sur les bords et non plat. Et si je le place devant un miroir, bon, eh ben, ça marche en gros, hein. Pas très précis, mais ça vous donnera une petite idée. Parce que bon, derrière tout ça, hein, y a des maths assez poussées, hein. C'est pas juste une vague faite au pif comme ça. Non, non. Bon, ça n'empêche qu'à chaque fois que je vois cette illusion, je suis sur le cul, quoi, vraiment, totalement. Enfin, là je suis sur les pieds, hein, mais tu vois l'idée, hein. On va se faire une deuxième impression d'une structure un petit peu plus grosse avec plus de cylindres, etc. Et celle-ci, niveau broyage de cerveau, c'est un petit peu plus poussé, vous allez voir. Bon, je pense qu'on est d'accord, l'objet réel semble posséder donc différents cylindres, hein, parfaitement ronds, quoi, enfin, il n'y a pas de doute là-dessus, a priori c'est rond. Alors que, dans son reflet, tout disparaît pour laisser place à des formes angulaires. C'est comme si l'objet changeait en temps réel alors que c'est simplement une histoire d'inclinaison, de point de vue et de conception d'objet. Objet carré, rond, carré, rond, carré, rond. Mais excellent. Et une fois de plus, comme pour le modèle précédent, on peut venir tourner l'objet pour inverser l'illusion. C'est génial. Un des trucs les plus étonnants, c'est que malgré le fait qu'on sache qu'il y a une découpe, hein, on le sait bien, qu'il y a une forme particulière qui crée cette illusion, et ben, même en sachant ça, j'arrive pas, en tout cas j'ai du mal à concevoir que cet objet qu'on voit totalement normalement puisse donner cet objet finalement dans un reflet, quoi. C'est complètement fou. Bon, j'en ai fait un troisième, hein, parce que j'adore ça. Celui-ci possède d'autres structures à l'intérieur des cylindres, alors on est bien sur le même style de déformation qu'avec les autres, hein, mais c'est d'autant plus impressionnant étant donné qu'il y a plus de détails dans ce modèle-là. On peut le tourner, comme d'habitude, l'illusion est totale, et surtout, ce qui est dingue finalement, c'est que dans le reflet, on voit clairement des traits droits, ici, et sur l'objet, bah, rien du tout, hein. Les traits droits que l'on voit sont des courbes sur l'objet réel. Tout est une question de point de vue, c'est incroyable. J'adore. Si vous souhaitez aller plus loin dans les mathématiques de ces objets, bah je vous mets un lien dans la description avec plein d'informations supplémentaires sur la partie mathématique pure de ces objets. Et vous savez quoi? Je vous mets même un lien dans la description d'un template pour pouvoir refaire ce cylindre chez vous, en papier, enfin comme vous voulez. Comme ça, je suis sûr que vous pourrez épater tous vos petits amis, hein, parce qu'a priori tout le monde a une feuille de papier chez soi et un miroir. Je pense que clairement cette vidéo rentre dans la catégorie des vidéos où je vous présente des objets, des trucs étonnants, comme le disque de l'air, le handspinner, etc. D'ailleurs, merci pour vos retours, hein, c'est vraiment cool, vous semblez apprécier ce format. J'en ai pas mal d'autres en stock, sachez-le. Vraiment, n'hésitez pas à partager la vidéo, hein, et mettre un excellent petit pouce en l'air juste en dessous, c'est vraiment très important si vous avez apprécié bien entendu. Merci à tous ceux qui prendront le temps de faire ça. Vous pouvez vous abonner en cliquant juste ici, et quant à moi je vous dis à bientôt, à la prochaine, car la science n'attend pas. Voilà.